Non, comme on encore Yahweh, nous sommes de retour dans ce studio, en fait, un studio vraiment spécial pour l'arrivée du premier souverain pontife. Vous le savez, dans quelques minutes, le souverain pontife va faire son entrée ici en Guinée. C'est depuis 14 heures passées de 40 minutes qu'il a atterri à l'aéroport de Ndjili. Il a été accueilli par beaucoup de fidèles cassissistes qui étaient présents. Entre autres, il y avait la paroisse des Kinkolé, il y avait également les conseils de la suprématie, il y avait aussi le deuxième souverain pontife et ainsi que son épouse et puis les représentants légaux. Il y avait une délégation de l'AFBNM, c'est l'association de l'église de maman. Ici à l'église, il y avait aussi quelques membres de la presse, de la RTBNM, ainsi que de la suprématie, de la presse, de la suprématie, FBNM KCC. Je l'ai dit que nous aurons un culte qui sera organisé à 7 heures juste. Et dans ce culte, il y a des chorales qui sont invitées, entre autres les pro hommes et femmes. Il y aura également la fanfare, et puis dans ces cultes, la prière d'ouverture sera dite par le révérend apôtre Teddy Kamombo. Et puis il y aura la réception du prophète, parce que vous savez, le prophète de l'Éternel sera également présent ici. Et puis la réception du prophète sera faite par le révérend apôtre Emondé Madiandilé. Et puis, il y aura la réception également des invités qui sera faite par le secrétaire permanent. Il y aura un mot des circonstances qui sera dit par le secrétaire permanent. Et puis, l'intervention de l'Union vocale prophétique femme. Et puis, il y aura la prédication, l'étape de la prédication. D'abord, la lecture biblique sera dite par le révérend apôtre Louboulou Kabasiena Jean-Robert, et puis la prédication par le révérend apôtre Tsumbu Poati-Martin. La prière d'action de grâce sera dite par le révérend apôtre Maimouna Kamalandwa. Et après, il y aura encore l'IV Pro Homme qui va intervenir, suivi de la fanfare de l'Ebenem. Et puis, il y aura la partie des annonces par le secrétaire permanent. Il y aura un mot d'au revoir du prophète. Il sera dit par les révérends apôtres Mondé. Également, le mot des bénédictions par lui-même, son éminence, le prophète de l'Éternel, je le vois. Vous allez assister à l'entrée de bientôt son entrée. Je vous avais dit, s'il a passé d'embouteillage dans 30 ou 40 minutes, il se rend déjà ici à Kinshasa. Et là, nous sommes 15h, 16h passées, mais le culte d'action des grâces va commencer à 17h. Et voilà, le premier souverain pontife est de retour après près de 4 mois là-bas à Magister. Il était des retours parce qu'il devait retourner. Vous savez, désormais, son lieu de résidence, c'est ici à Kinshasa, où il va poursuivre cette œuvre de l'Éternel Dieu. Il a été placé solennellement sur la chaire pontificale pour poursuivre cette mission de sauver les âmes dans l'Église Bon Nouveau Message KCC. Et il est de retour. Vous allez suivre vous-même en direct cet événement. Et là, si vous écoutez également avec moi, il y a des klaxons pour accueillir le premier souverain pontife déjà à l'entrée. Vous allez voir ensemble avec nous. On ne peut que dire merci à l'Éternel, notre Dieu, qui a pu accompagner son premier souverain, qui a pu accompagner son envoyé jusqu'ici, à Kinshasa, jusqu'à Nguina. Ils ont quitté depuis hier, jeudi 8 octobre, je crois, c'était dans l'après-midi qu'ils ont quitté Magister pour Kinshasa. C'est à 11h qu'il a atterri à Kinshasa à l'aéroport de Djili. Ils ont quitté à 14h
à l'aéroport pour arriver ici à Nguina à 15 heures, donc 16 heures, moins 10 minutes, le temps d'arriver ici à Nguina. On va juste prendre quelques ambiances de son arrivée à Nguina et puis le culte va commencer à 17 heures juste. Il y a plusieurs invités qui seront là, entre autres lui-même d'abord, Papa sera là, le prophète d'Isolé, Bungwafidu Soizak sera là. Il y aura également le deuxième souverain pontife et son épouse. Il y aura aussi les chefs d'entité ici à Kinshasa. Il y aura également les apôtres ici qui sont à Kinshasa ici. Il y aura la chorale IV Pro, hommes et femmes. Il y aura le conseil de la suprématie. Il y aura également certains membres de la famille biologique du prophète et puis quelques fidèles de l'Église pour nouveaux messages KCC qui seront là pour participer à ces cultes d'action des grâces. Je vois là, vous êtes en train de suivre ensemble avec moi l'arrivée ou les retours du premier souverain pontife Anguina. Voilà, là, c'est son véhicule qui fait. Que dire merci à notre Seigneur. Nous avons vu là, il est accompagné de son épouse juste derrière. En tout cas, le voyage s'est bien passé. Le voyage s'est vraiment bien passé sous la bénédiction de l'Éternel Dieu. Et là, le souverain pontife est bel et bien là avec toute la délégation qui vient de l'aéroport. Il y a le deuxième souverain pontife juste derrière lui. Il y a le deuxième souverain pontife. Ils vont se diriger dans les salons d'abord, ici à Nguina, pour une petite prière. Et puis, on va passer. Il va un peu se reposer pour commencer les cultes des 17 heures. Restez toujours connectés parce que nous allons vous montrer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ces cultes, pardon, ces retours ici. À organiser, et là, la prière d'ouverture sera dite par le révérend apôtre Teddy Kamombo. Il y aura après, va suivre la réception du prophète par les révérends apôtres Raymond Debadiantilé. Il y aura après ça la réception des invités par le secrétaire permanent et puis le mot des circonstances toujours par le secrétaire permanent. Et il y a la chorale, une vocale prophétique femme qui va intervenir pour un peu animer cet événement et va suivre la lecture biblique, la prédication en fait, et la lecture biblique sera faite par le révérend apôtre Louboulou et la prédication, nous l'écouterons.
son épouse au salon, ils vont un peu prendre, ils vont un peu se reposer. Vous savez, nous préparons un culte à 17h juste. Chers téléspectateurs des EBNM, le 1er mars 2020, il avait retourné là-bas à Manchester pour quelques formalités et puis remplir quelques documents pour revenir officiellement et puis continuer à faire cette œuvre de l'éternel Dieu. Alors, il est là avec nous, il est là ici avec nous. Désormais, il va vraiment commencer à le faire. Vous savez, avec cette pandémie, on a pu surseoir beaucoup d'activités ici à Kinshasa. On ne pouvait que faire ça parce que les autorités, presque dans tout le monde, n'ont pas voulu à ce qu'il y ait des églises, mais grâce à Dieu, avec l'évolution de la pandémie et Sengamakiete, activité nyonso et koka kozonga normalement. Lelo, toujours grâce et que premier souverain pontife a zongapé pour aya kosa la mission ndenge sengeli. Donc, toko koloba était Moussala Sikoyo et Banti Awa na Kinshasa. Aye Sikoyo kobanda Moussala naye parce qu'on ne pouvait pas continuer. On était buté d'un problème où il y a pandémie qui a eu sur les activités il y a près de 5 mois. Comme nous l'avons toujours fait au début. Donc, il y a une grande charge. Mission Monen et Zozela, premier souverain pontife, to sengi kaka na bino nyonso, baka se siste, to mema, to manayawe na mabondeli, to mema, premier souverain pontife na mabondeli, parce qu'ils allaient moussala Monen. Lingomba d'abord, yemoko, eza tellement Monen. Alors, na yemoko akokokate, mabondeli na bisonde, et que ça a été à Coca-Cola. Parce que si vous avez eu un abus, c'était tout même premier souverain pontife Namabo Deni. Des éléments oyo beaucoup zongo vraiment na ndenge nyonso esengeli tout juste après, mais lelo beaucoup landa du début jusqu'à la fin événement oyo il y a retour, il y a son éminence le premier souverain pontife Awa na Kinshasa beaucoup landa yango, mais juste après beaucoup zoapé élément manco complet, donc on vous fera voir comment est-ce que le premier souverain pontife Banaki, Ndélan, Ndenge, tout ce qui est là pour arriver à l'aéroport, tout ce qui
nous suivre en direct. Et voilà, nous allons vous montrer également l'arrivée de son prophète, Désolé Limpongo Wafudu Soi Isaac. Papa est là aussi avec nous. Nous l'avons dit que le papa sera là, le prophète de l'Éternel, Désolé Limpongo Wafudu Soi Isaac, sera là avec nous. Et là, vous voyez. Tifa Koma, papa Zala, la santé, madame Mpona, Koya, qui participe na culte Oyo, na culte Oyo, il y a culte d'action des grâces organisé en faveur, il y a retour, il y a premier souverain pontife, donc vraiment, il y a le prédicateur Jules qui est là également. Le premier souverain pontife et son épouse qui sont là pour accueillir papa. Et voilà, ce sont des images. Papa qui va faire qui va descendre de son véhicule, en tout cas, Maton Dimingina Yahweh. Merci à tout le monde qui sont en train d'écrire. Merci en tout cas de nous suivre. C'est vraiment un événement historique. Je vous l'avais dit. Il faut retenir cette date, le 9 octobre 2020, une date historique pour les fidèles cassécistes du monde entier. Nous avons assisté pontife, nous avons assisté à son retour après près de 4 mois à Majesté. Moi, je vois aujourd'hui, c'est vraiment le début du travail, le début du travail du premier souverain pontife. Le Lopenda et Zola, c'est que le premier souverain pontife d'Isolé Limpongo Wafudu Soi Isaac a bandi Moussala. Et voilà, là, c'est papa qui fait son entrée. Il descend du véhicule, il faut comprendre. Yahweh, vraiment, les amonés, les tinages, où il a dû couper sa papa. Makasi, Penzoto. Joto makati pona ayaka toujours kosala mosala na ye, donc matondi mingi na yawe. Voilà, comme souverain pontife na maman, également na maman Kulutu, moi si il y a papa na biso mosakoli na yawe. Désolé les bango wana bazali liboso pona koya koyamba papa. Voilà, après salutation, il y a Moussa Koli, assis que tout le monde est premier souverain pontife, na maman. Dirigé, Nandaku, Pona, moi, Masolo Mouké, le temps que tu préparé, Kut Nabiso Isali, prévu, na 17h juste. La conseillère suprême, c'est l'académie. Vous voyez le
bienvenue, papa. Bienvenue, papa. Yes.
Attends. Je suis pas en train non, comme on encore Yahweh, voilà, ton cabino, au moins, ton mouquet, ton petit comment on a bon entré à papa, le prophète d'Israël, le bon infidèle soit Isaac, ma cotine à salon, et puis dans 40 minutes, dans 50 minutes, ton Robanda culte d'action des grâces à Wanangina. Donc, ne nous quittez pas, restez toujours. Branché sur MNM KCC Suprématie officielle. Nous allons également vous montrer ces cultes en direct ici depuis Nguina à Kinshasa. Merci en tout cas de nous suivre partout dans le monde. Merci à tous les KCCistes qui sont connectés pour suivre cet événement. En fait, c'est retour du premier souverain pontife ce vendredi 9 octobre 2020. En tout cas, merci à tout le monde qui sont en train déjà de commenter. Merci pour vos soutiens et également nous demandons à tous de nous accompagner dans vos prières également et surtout le premier souverain pontife qui est arrivé pour commencer cette mission qui lui a été confiée par l'éternel Dieu. Merci, chers téléspectateurs. Restez-nous toujours fidèles. Abonnez-vous sur votre chaîne MNM Suprématie officielle. Abonnez-vous sur votre chaîne MNM Suprématie officielle. Appuyons l'Église et Seigneur, son prophète. Une chaîne qui vous proposera ses documentaires, filmés et missions. Un outil mis à la disposition de tous pour suivre et aligner les activités de l'Église. Oh, hey. You are the right place. Yeah, you want to listen the voice of the prophet of God. Yeah, disole lempungo wa fiu swa Isaac. Come on. Abonnez-vous sur votre chaîne MNM Suprématie officielle. Abonnez-vous sur votre chaîne MNM Suprématie officielle. Appuyons l'Église. Ainsi que son prophète. Une chaîne qui vous proposera des documentaires, films et émissions. Car c'est système de l'Izumba, c'est la fesse de Sayako. Mandela est la bonne image chaîne, vous allez pour Souda Lingomba. Abonnez-vous sur votre chaîne MNM Suprématie officielle. Abonnez-vous sur votre chaîne MNM Suprématie officielle. Appuyons l'Église ainsi que son prophète. Une chaîne qui vous proposera des documentaires, films et émissions.